Spider-Man, le super-héros énonce cet adage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces firmes disposent d'un grand pouvoir, mais ne veulent aucune responsabilité. Ce sont les nouveaux Léviathans. Elles disposent d'une puissance qui égale et parfois dépasse les États. Elles ont entre leurs mains le sort de milliers, de dizaines de milliers de salariés et celui de millions ou de milliards d'humains. Mais dès que nous avons une question, dès que nous avons une question qui dérange, une question qui ne va pas dans le sens mou de leur consensus, aussitôt c'est la fuite. Les services de communication ne répondent plus. On peut attendre des semaines, des mois, relancer par mail, par courriel, par téléphone, rien n'y fait. Quand on va à les rencontre, quand on va les chercher, comme ils ne répondent pas sur le lieu où ils se trouvent, on les dérange. C'est pas le moment, il faut prendre rendez-vous, la caméra est rejetée, les PDG fuient derrière une porte et derrière des vigiles. Et la seule réponse qu'on obtient alors, ce sont des procès. Ce sont des réponses par les biais des avocats, c'est-à-dire la lâcheté des puissants. Et c'est à eux que vous accordez le secret des affaires, comme s'ils n'avaient pas déjà assez de secrets maintenant. Ces firmes luttent. Elles luttent avec leurs armes, elles luttent avec des procédures, elles luttent avec des publicités, elles luttent avec leurs lobbies, elles luttent avec des études bidons, elles luttent tous les jours, discrètement mais avec acharnement. Elles luttent pour continuer tranquillement leurs petites affaires, elles luttent pour étouffer la voix des gens, elles luttent pour se tenir à l'abri de la démocratie, elles luttent parce qu'elles ne connaissent qu'une loi, qu'un mot d'ordre, le profit. Et c'est à ça que vous prêtez main forte. À ces firmes sans scrupules, à ces firmes sans honte, dépourvues de sentiments, qui s'en fichent que les oiseaux disparaissent, que les cancers se multiplient, que des enfants naissent mal formés. Comme députés, comme délégués des gens, nous devrions lutter pour que les multinationales ouvrent leurs portes, pour qu'elles ouvrent leurs registres, pour qu'elles ouvrent leurs ordinateurs. Et à l'inverse, vous leur offrez un instrument de plus pour qu'elles restent dans l'ombre, pour l'opacité, pour punir les hommes qui viendront apporter quelques lumières sur leurs pratiques. C'est David contre Goliath. Mais vous, là, vous trouvez que David abuse, qu'il faut réglementer l'usage de la fronde, qu'elle frappe trop fort, qu'elle porte trop loin sa fronde.